Cube Radio. C'est le grand retour de Narcos PQ. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle « Au cœur de la Colombie ». J'ai cherché quelqu'un parmi les journalistes à qui je pourrais raconter ce que je fais. Quelqu'un de solide, à qui on pourrait faire confiance. Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. On est allé rencontrer un narcotrafiquant qui exporte de la Colombie au Québec des tonnes de cocaïne chaque année. Et en plus, il est membre du dangereux cartel de Sinaloa au Mexique. C'était une ligne directe avec El Chapo. Va tuer lui, va faire ça, c'était un boss. On devait arriver et on devait faire la job. Mais c'est pas juste ça. C'est un informateur de police pour deux services de police, le SPVM et la GRC. On va vous raconter une histoire humaine. Une histoire folle. Une histoire dangereuse aussi, où on a vraiment eu peur pour nos vies. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain, en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.